Bonjour à tous, vous avez kiffé la vidéo Logbait avec le premier Logbait FR au moment où il avait tourné avec Polo qui jouait comme un dieu sur Logbait. Il se trouve qu'il joue également très bien d'autres archétypes et en l'occurrence ce deck là, ce PK Cavabelli, Belly de combat à foudre. Et donc il est là pour nous le présenter, il est actuellement en 9-1 en super défi, donc on va partir directement sur du live. Bienvenue à toi Polo. Ouais, merci Daxiva, merci de nous recevoir encore une fois. C'est un plaisir. Alors du coup, apparemment tu joues pas mal en compète ce deck. C'est ça, ouais. Il est souvent avec le cavalier, mais moi je le préfère avec le bélier normal, avec le bélier classique. Et oui, je joue souvent. Pourquoi du coup tu préfères hein? Je sais pas, parce que le bélier, en défense en fait, genre il me sert en défense, ouais. C'est plus pratique. Alors que le cavalier, il faut toujours le mettre en attaque. Bah ouais, mais il faut toujours... Moi j'arrive pas trop à jouer le cavalier aussi. Ok. Du coup, je préfère le bélier. c'est la vraie raison, ça, je pense. Très bien. Ouais, je pensais ça, ouais, c'est ça. C'est voilà. Que t'es plus à l'aise avec, en tout cas. Yes. C'est ça, ouais. Bah, je te laisse lancer, du coup. Ok, parfait, vas-y, je lance. Si pendant que ça recherche, tu peux nous dire, par exemple, comment tu cycles en début, si l'adversaire joue pas, est-ce que tu vas envoyer un truc, est-ce que tu vas poser une volution de map? C'est ça, je pense que j'envoie une volution de map ou un choix barbare au début, et en fait le PK je le joue surtout pour défendre les push, Ouais. et après contre-attaquer quand je vois qu'il a encore un peu de vie, ou genre faire un truc et qu'il a pas beaucoup d'élixir, je contre-attaque. D'accord, ça t'arrive assez souvent de garder volontairement l'élixir pour la foudre, offensivement aussi j'imagine? Ouais, c'est ça, surtout en x2, en x1 je la pose jamais la faute, parce que okay. Après je me mets en... Ouais, elle coûte cher. Mais non, ouais, en x2, ouais. Alors, le Jonar. Ouh. Soit c'est du Hog TDE, soit c'est du 2.9, soit c'est un deck mis. C'est ça. En plus, en... Ouais. Surtout du Hog TDE. Hein. Ça y ressemble. Allez, la voleuse! Tu tues l'archère, ouais, c'est bien joué. Alors, le Hog va partir à gauche, voilà. PK, hein, j'imagine, ouais. C'est pas le choix. Et on va mettre une boule de neige, comme ça. Ça met 0 dégâts. Ouais, évidemment. La boule de neige, elle aurait pu remettre jusqu'à 7 tours, son cochon. Ouais, oula. Oh. Bon, là, je vais la laisser, hein. Je peux pas foudre. Ouais, non, c'est over commit foudre. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. En fait, foot, ce match-up. Oui, vas-y. Ce match-up, ouais, il est faisable après, heureusement que j'ai une foudre. Ouais, mais sinon, en plus, il cycle vite, hein. Du coup, des fois, je vais pas avoir le PK. Tout à fait, ouais. Bah là, typiquement, il y a moyen qu'il tousse avec elle. C'est ça, ouais. Là, tu vois, normalement, c'est vraiment un cochon. Je sais pas ce qu'il va faire. Donc voilà. Bon, là, c'est bon, je l'ai bien cyclé. Ok. Ouais, donc il n'y a pas de monde dans lequel tu mets une foudre YOLO défensive. Non. Donc là, je pense qu'il va mettre une T2. Du coup, je pense que je vais mettre un bélier à gauche. Juste pour mettre la pression. Je sais pas combien il a d'élixir, mais bon. Il est à 4 d'élixir, donc il a de quoi défendre quand même. Ah, quoi qu'il, il peut se faire connecter. Oh! Pas loin. Bah c'est bien, il a claqué pas mal. Hein. Il peut pas remettre de cochon devant. Il a pas assez d'élixir donc. Et du coup, ce match-là, faut quand même que je garde le PK et il faut que je garde un peu d'élixir. Faut que tu gardes pour la foudre. Ouais. C'est ça, ouais. En x2, quand je vais rentrer dans le x2, faut. Là, je vais commencer à foudre les T2. Ok. Et en vrai, ouais, ce deck ici, quand même pas mal. Genre, il y a pas mal de cartes qui sont. Là, je vais mettre un électro. C'est un coup de cochon avec l'électro. Simplement. Ouais, là je vais partir avec un bélier. Là il va T2, c'est sûr. Mais là tu peux reset avec le. Oh non. What? Je peux ah, pas tu fous. Pourquoi tu fous j'ai forcé parce que j'ai beaucoup d'élixir. Dans le doute, je. Ouais, je m'en fiche. J'appuie sur mes cartes. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Waouh. Il a paniqué. Hein. Ok, nickel. Normalement ça met 0 coup là. No. Ok. Bon là je pense que je vais gratter à la foudre hein, et je vais essayer de défendre. Ok. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Bon ouais, là par contre le contre-pull je pense que... Il va pas trop assumer. Hein. Tu vas partir en bélier à gauche j'imagine. Ouais. J'ai l'archer, ça connecte, c'est bon. Je le voyais venir ce move. Je me suis dit, ah, c'est sûr, il est bélier, foudre, boule de neige, et ça va être compliqué quoi.
Voilà, du coup, tu vois, c'est le PK, j'ai jamais mis genre fond de map. En fait, faut pas le mettre fond de map. En fait, faut toujours que quand je mets le PK, genre l'autre il a. Quand l'autre par exemple il attaque, faut que je défende avec le PK. Faut jamais Ouais. que je le mette fond de map. Et ça sert à rien comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un deck sur lequel tu vas vraiment construire des pêches fond de map avec ta PK, quoi. Ouais, comme Ouais. le golem, toi. Moi, c'est pas comme ça que je le joue. Ouais, je suis d'accord. Ok. Du coup, là, une tombstone, ça peut être un molosse. Ça y ressemble. Ouais. Ça y ressemble. Et ça va être compliqué si c'est molosse. Après, ça dépend si c'est un ballon ou pas, tu Après, vois. là, il a plus la tombstone hein, s'il part rapidement. Il la récupère dans deux cartes. Enfin, il faut qu'il recycle deux cartes avant de la Ouais, récupérer. je vais mettre un bélier pour voir ce qu'il a. Peut-être qu'il dégarde. Non? Ah, ok. Bah, évidemment, Ah oui, ah oui. évidemment. C'est la méta du prince Moi, je ténébreux. connais. Ouais, il est bien, la méta. Bon, là, je pense que je vais pas défendre ce mineur. Ouais, non, il vaut mieux pas. Hein. Il a récupéré la pierre tombale, il va la poser. Ouais, voilà. Hop, là, Oh, je pas mets mon mal! piège. Oh! Mais quel Ouais. skill! Mais quel talent! Du coup, là, c'est bon, je connecte. Là, il doit avoir pas combien d'élixir là. Il est à 3. Ok, je pense que je vais le laisser et je vais partir en PK. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Bah, mine de rien, il a pas grand chose pour gérer ta PK, quoi. Il a la pierre Ouais, tombale, y a mais pas. sinon. Moi j'ai une boule de neige, du coup normalement c'est bon. Il a la MG quoi. Il a la MG et la pierre tombale pour tuer ta PK. Sinon, il a rien. Ouais, du coup là contre le Molosse, le match faut le jouer déjà de la même ligne. Faut que mon PK je le mette de la même ligne que le Molosse. Là je vais mettre une foule sur les. Hop. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Parfait. Tu tues justement les deux contres de la PK qu'il a posé. Et Ouais, c'est ça. là, essaye de Là, tu durbler. vois mon écran, hop, il est free. Et là, mon PK. Bah, il a plus la tombstone, du coup, je vais aller prendre la tour, hein, vu que Ouais, il a l'ennemi, plus rien en fait, il a là. plus rien. Il a plus rien. Il peut. Ah, boule de Là, je neige, peux. c'est vrai qu'il y a boule de neige, c'est tellement fort que. Et là, hop. Ah, c'est vrai qu'il a défendu. Ah, la boule de neige, mais. Oh, il connecte le bélier! Nickel. Là, que la voleuse, c'est bon. Allez, bah voilà. Et là, on. Ça a l'air tellement simple ce jeu quand tu joues. Et du coup, là, je remets un PK et je vais l'accompagner parce que même si, bah, c'est marrant, je sais pas ce qu'il va faire. Ah, c'est marrant. Dommage, j'aurais pas du tout fait ça. Ok. Là, je pense que je vais quand même. Hop, je vais mettre une boule de neige juste pour faire reculer le truc. Waouh! Ouais, parfait, super. Là, normalement, ça va prendre la grosse de la voleuse, du coup, c'est bon, il tape pas sur la tour. Ouais. Là, je mets un bébé dragon. Je pense que là, je vais forcer un peu. Oh, t'as pas beaucoup de respect pour l'adversaire, mais j'avais compris l'idée. Là, j'avoue que là, je respecte pas. En plus, Molo, normalement, c'est un counter. Je suis pas sûr, mais. ouais, ça va pas être si simple que ça, là. Le pauvre. Ouais, non, c'est ça, mais c'est que tu manques de respect en fait. C'est le seul. Oh, t'as Voilà. pas tué la tour! J'ai pas joué la tour. Ce qui est marrant, c'est qu'à juste après que t'aies dit que tu mettais pas les PK front map, t'as joué un match-up où t'as posé que des PK front map. Ouais, c'est ça en fait. Contre le Molosse, faut toujours poser des PK sur map. Et en fait, faut que tu réussisses à se défendre. En fait, faut que tu mettes la pression avec le PK pour pas qu'il accompagne son Molosse. Oui, bien Et comme sûr. ça, tu vois, enfin, en fait, j'ai juste défendu avec un électro sorcier. Mais puisqu'il arrivait jamais à l'avoir, bah du coup, ça Ouais. faisait de la value sur son Molosse en fait. Bah, c'est vrai que son deck il a quand même pas forcément grand chose pour tuer la PK et quant à foudre la pierre tombale et la MG. Ouais, c'est ça, bah oui, après là j'étais bien, du coup, voilà, 11-2, 11 c'était plutôt pas mal, hein. 11-1, non? 11-1, pardon, Oui. 11-1, je Je me dis, mince, il vient de faire une lose en 2-2 là. Non. En plus, en 11, des fois, ça prend dans longtemps, Ouais, là, c'est c'est. clair. Ça m'est arrivé d'attendre 13 minutes. C'est Ah mortel. ouais, non, mais j'ai oh, sur Twitter, je vois des gens qui attendent longtemps, moi aussi. Bon, Inna, 91. Ok. Il veut faire des BO5 dollars, lui. Ouais, c'est Comme ça. ça. Pas des BE 5 euros. Ok. Tu défends bébé dragon. Ouais, j'avais que ça. La volée, je l'ai déjà claqué, du coup, bah. Donc c'est du mineur Je sais contrôle pas en ce qu'il face, hein. joue. C'est la version Valkyrie, Electros. Ah non. Je sais vraiment pas ce qu'il. C'est pas un Ah. ballon? Non, ah, c'est si ballon mousquetaire. Je dirais que c'est un ballon mousquetaire. Bah en tout cas c'est sûrement ballon, mais. Peut-être juste TDE? C'est quoi son deck? C'est du Ship Cycle pour une vidéo de CWA, c'est quoi? Ah ouais, c'est quoi ça? C'est Mais possible c'est hein. un top 6. Je sais vraiment, bah là, Bah là pour l'instant je sais il a pas quand ce. même pas beaucoup de cartes qui coûtent grand chose. Hein.
Il a que le mineur, quoi. Je suis obligé de faire ça. Voilà, je vais partir avec... En fait, tu vois, avec le bélier, il faudrait que... Là, je pense que j'ai agressé, parce que je sais pas combien est la déduction, mais... Il a 7, mais là, ça connecte. Ah, ok, tornade. Ouais, effectivement. C'est un deck... Du coup, okay. Puisqu'il y a un deck contrôle, contre mon PK, ça va être compliqué de passer, normalement. Parce que s'il arrive à contrôler les trucs, si vraiment, il joue très très bien, je pense qu'il peut gagner. Ouais. Avec son deck qui coûte 0 élixir. Ah, c'est dommage, ça. T'aurais même plus le boule de neige, hein, lui. Limite. Ouais. Du coup, je pense que je vais partir en PK parce qu'il a le plexion mineur, du coup il a rien pour l'offensive. Bah c'est ça, il va devoir remettre potentiellement Golem de Glace Bat, mais il a que ça. Il a sûrement une T2. Non, non, il a pas de T2, il a utilisé toutes ses cartes. Hein. Ah oui, d'accord. Et il a pas de T2. Non. Ouais, ça va être un match. Ouais, pour lui, bah, en fait, dans le fond, j'ai. Ok, là, il a bien joué. Il a bien joué. Ah, mais s'il tombe, voilà, ta PK va retourner là-bas. Ah, ok, là, en fait, il abandonne. Waouh! Quelle 12ème victoire en super défi incroyable! Mais c'est nul en fait! Il n'y a pas de concurrence! Non, non, c'est incroyable! Ok. Pourquoi il joue ce deck? Et il te doit 5$ ou pas? Non, je sais pas pourquoi il joue ce deck en 11 en super défi si c'est un. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un. Voilà, c'est. Parce qu'en plus, il avait pas l'air excellent dessus, enfin, il sait pas non plus. Je sais. Vraiment pourquoi il a... Je sais pas. Enfin, c'était bizarre. Bah au moins, du coup, tu nous as montré que ça pouvait faire des 12 en victoire en super défi, ce deck. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Polo. Est-ce que tu aurais des derniers conseils globaux autour du deck pour quelqu'un qui voudrait s'essayer? Bah déjà, de ne pas mettre la foudre en fois 1 d'élixir. Ouais. Parce qu'après, on part avec un gros avantage. Et garder le PK pour vraiment défendre les push et pas mettre un PK sur le map en disant que tu t'as... En se disant qu'on va réussir à passer parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais. C'est pas toi avec la voleuse. Et le bébé dragon, tu le recycles ou pas? Et le bébé dragon, ouais, tu le cycles. Et bon, franchement, le bébé dragon, il est OP, du coup, tu peux le mettre partout. C'est vrai que le bébé dragon aussi, c'est la base dans un deck, donc. Ouais, ouais. Et voilà. Ça marche. Ok, bah merci beaucoup, Polo, en tout cas, ça fait plaisir. Et bah, félicitations pour les 12 wins. T'as eu quoi dans ton coffre? T'as eu des trucs sympas ou pas? Ouais, j'ai eu des fripons, du bébé dragon, mais j'ai pas eu de légendaire. T'es légendaire. Des communes. Et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions particulières sur le deck, des trucs en tout cas, si vous avez des questions ou même des commentaires, etc. N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat, on ira checker avec Polo. Et bah, je vous souhaite une excellente journée. Ouais.